Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je refais la vidéo ouverture des calendriers 2022 pour les chocolats. Et à la suite, je ferai l'ouverture des autres. Parce que, enfin, le colis de 4 est arrivé. Il s'étend. Donc, j'ai été posté, je sais pas quand. On verra ça après. Voilà. Là, s'il est lourd, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Alors, je vous remonte ce que j'ai eu dans le calendrier, puisque je préfère la refaire. Je ne vais même pas remercier Isa. Donc. Alors, avec Isabelle, j'ai eu un carambar caramel beurre salé, un petit chocolat Milka aux noisettes, mes préférés, et un au chocolat au lait. Dans le calendrier Kinder, j'ai eu un petit œuf. Vraiment, je ne vais pas refaire la vidéo. Et dans le M&M's, j'ai eu un Bounty. Donc là, je ferai passer par là, il est monté sur mon bureau. Alors, je le mets dans la boîte. Voilà, j'en ai juste mangé un surtout. Voilà. Et encore merci Isa pour le chocolat. J'adore, franchement, ta boîte est trop. Elle va sur mon bureau ou à côté quand il sera vide. Et après, je mettrai des petits crabidules dedans. Alors, on va déjà ouvrir ceux qui sont déjà ouverts. Alors, le scrap Didi. Oups. Oui, j'ai tout fait tomber. J'ai le carton qui est tombé. Alors, ça, c'est bizarre. Ouais. 1 et 2. Et là, on a le 3. Alors, le 3. J'ai tout qui tombe comme d'hab. J'ai des cartons partout, alors. J'ai plus de place avec ma chaîne. Alors. Là, je vais arriver à le décoller. Normalement. Non, il va déchirer. Alors. Ah, il ne veut pas décoller. Voilà. C'est super froid dans le dos. C'est pas tout facile. Alors, numéro 3. Scrap Didi. Nous avons un tampon fond. Oh, génial. J'en ai pas allé comme ça. Un tampon tache. Petit tache. Il est comme ça. Et un die. 7 de feuillage. Franchement, top. J'en ai pas allé comme ça. Et là, vous pouvez rajouter des titres, d'action. Ça, c'est génial. Et c'est là, on peut la colorier. Ça, c'est cool. Franchement, deux petits cadeaux super sympas pour ce jour numéro 3. Franchement, c'est top.
Voilà. Je vois un, deux et trois. Voilà. Je remets dedans le petit cadeau aussi. Voilà. Et on va ouvrir le scrap patio. Cette fois-ci, je les ai rangés dans l'ordre. Alors, le numéro 4. Le 3, pardon. Je suis déjà au 4. Numéro 3. Hop. Je vous montre. C'est une enveloppe comme ceci. Alors, j'arrive à l'ouvrir. Pas facile à ouvrir. C'est serré. J'arrive pas à choper le bout. Ah, ça y est. J'arrive. Voilà. Alors, hop. Numéro 3. Voilà. Numéro 3, je le mets là. Je vais les mettre dans une petite boîte, ils serviront l'année prochaine. Alors là, on a une enveloppe. Que je vais récupérer l'enveloppe après. Ça, c'est cool. Jusque j'arrive à le décoller. Voilà. Hop. Voilà. Ah, cool. Oh, il est beau. Un pochoir sapin. Ça, c'est génial. J'en ai pas du tout. Puis après, vous pouvez mettre des petites boules, des petits cadeaux. C'est trop cool. Donc, c'est la marque Fabrica des Gorus. En Ukraine. Ouais. Franchement, il est trop sympa. Bon, là, il fait quelle taille? Alors, attendez. Il fait 20. Enfin, presque 20. Sur 14. Waouh, c'est cool! Donc on va l'ouvrir. Voilà. Je vais vous montrer. Hop. Waouh. J'adore la couleur. On va plutôt le laisser là. Il y a le reflet. Alors, je vais mettre dans le sens. Franchement, waouh! Trop beau! En rouge comme ça, tu signales. Franchement, j'adore. Merci à Johanna, en tout cas. Super! C'est la première fois que je prends avec elle. En attendant, c'est la. Elle vient reprendre la boutique aussi. Donc. Mais franchement, super sympa. Je remettrai après. Voilà. L'ouverture des calendriers chocolat et scrap. J'ai reçu ce 4, mais je vais faire une vidéo à part pour le calendrier 4. Déjà, il faut que je l'ouvre et tout ça. Et on se retrouve après. Et normalement, cet après-midi, c'est le calendrier de Gwen qui sera arrivé au Mondial Relais. Donc, je vous laisse et je vous reprends tout de suite.